Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Mathieu qui était passé sur la chaîne pour présenter sa Mazda 3 MPS. Et on va présenter cette fois-ci, toujours une Mazda, mais la nouvelle MX-5 2 litres 184 chevaux ST. Donc elle nous a été prêtée par le garage de Melun. Donc on les remercie pour cet essai. Donc au niveau de la couleur, sous le red cristal, donc franchement magnifique. Vous voyez qu'avec les différents reflets de lumière, on a des contrastes différents. Le rouge est assez présent, en tout cas sur les MX-5. D'ailleurs, j'avais fait une petite infographie que j'avais publiée sur le groupe Mazda Performance Series France et qui reprenait tous les chiffres de vente des MX-5. Et j'avais pris que des rouges parce que le rouge c'est quand même ce qui est le plus symbolique. Il faut rappeler que les Mazda MX-5, on retrouve la NA, la NB, la NC et la ND. Donc la première, la NA, est sortie en 1989 et celle-ci, pour la version ND, donc 4e génération, est sortie en 2015. Depuis 2019, vous retrouvez du coup le moteur 2 litres 184 chevaux, donc la ST. On dit ST pas tout simplement parce qu'elle a la capote en toile, mais il y a aussi la RF qui ressemble un petit peu au style Targa, qui elle a un toit en dur et électrique. Donc là, tout se fait à la main, comme à l'ancienne. Donc cette MX-5 qui nous a été prêtée est équipée du pack sport dans lequel on retrouve des suspensions Bilstein, aussi des sièges Ricaro et des barres anti-rapprochement. Précisons aussi que c'est un roadster, donc une machine à plaisir vraiment. Donc système à propulsion, une voiture qui est basse, assez compacte, petite, et des lignes vraiment très profilées. Eh ben, j'apprécie énormément ces lignes. Étant propriétaire d'une Mazda également, mais une MPS et qui date de 2010, on ne peut qu'apprécier l'énorme travail qui a été fait par les équipes des designers de Mazda et qui ont appliqué en fait le design qu'ils appellent Kodo, qui est censé en fait représenter le mouvement. Le mouvement, en fait, c'est quand on se met de côté, en fait, on voit vraiment comme si les lignes étaient tracées par l'aérodynamique. Ouais, on voit bien que c'est bien profilé en commençant, oui, par l'aile. Ça remonte au niveau des portes et puis même jusqu'à cette petite extension au niveau de l'arête. Hein. Je voudrais préciser aussi qu'on voit que les lignes sont assez agressives au niveau des optiques avant. C'est taillé, c'est presque pointu. Hein. J'avais l'impression que ça ressemblait presque à... Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais... C'est ce petit plat avec le phare qui est vraiment creusé. Ça me faisait un tout petit peu penser à ce qu'ils ont mis sur la dernière Supra. Je suis d'accord, je l'ai pensé aussi. C'est juste un tout petit détail en focalisant que ça. Et du coup, au niveau de l'arrière, en fait, c'est la partie, je trouve, la plus minimaliste de la voiture. Dans le style épuré, on est vraiment sur quelque chose de... Bah, par exemple, on n'a pas de sortie d'échappement gauche-droite comme la plupart des véhicules modernes, ouais. Ou qui essaient de faire limite une impôt centrale, ce genre de choses. Là, ils ont épuré au point même de dissimuler le bouton pour ouvrir le coffre qu'ils ont déplacé en dessous au niveau de la plaque d'immatriculation. C'est quand même un petit souci du détail. Donc je trouve qu'il y a suffisamment d'espace. Après, c'est vrai que c'est plutôt une voiture faite, je pense, pour des couples. C'est pas une voiture déjà qu'on peut avoir avec des enfants, puisque on le verra tout à l'heure, il n'y a que deux places. On mettra pas une valise, mais on part facilement au week-end avec deux sacs, je pense. Deux sacs de week-end avec un sac à dos ou deux, éventuellement. Au niveau du freinage, on retrouve des disques en 280 mm ventilés, 280 mm également à l'arrière. Des jantes 17 pouces nommées Bright Dark. Matt, ce que je te propose, c'est qu'on la décapote manuellement. Ouais. Et qu'on présente l'intérieur avec une belle lumière. Donc comme à l'ancienne, hein, ça se fait à la main. Donc c'est pas compliqué, hein, ça prend seulement quelques secondes. Et puis il suffit d'entendre le petit clic. Et donc quand on passe sur l'intérieur, il y a quelque chose que j'aime particulièrement, c'est qu'on retrouve du coup de la carrosserie ici, au niveau des panneaux de porte. Donc c'est sympa. Les sièges Ricaro qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là, il y a un pack Bose, ce qui veut dire que vous avez le son dans les appuis-têtes. Donc maintenant, je vais m'asseoir. C'est vrai que c'est un petit peu serré. Hop. Et voilà, donc on se retrouve du coup dans le cockpit. Donc à l'air libre, effectivement. Les sièges sont très 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 confortables. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc ils sont en cuir et en alcantara. Point très positif, c'est vrai qu'on a un peu tout sous la main. La boîte de vitesse, le frein à main. Tout est vraiment à portée de main. On n'a pas besoin de faire des grands gestes pour aller chercher tel ou tel élément. Quelque chose qu'on a trouvé sympa, c'est le rangement de la boîte à gants qui est ici. Donc c'est pas mal. Ensuite, vous retrouvez des porte-gobelets. Qui sont... Matt, je te laisse nous montrer. Hop, ce sont des porte-gobelets qui sont amovibles et qu'on peut placer ici. Et voilà. Voilà, c'est vraiment le petit détail. Ouais, c'est du gadget, c'est sympa. Par contre, seul petit reproche qu'on pourrait faire, c'est vrai que tout à l'heure, quand on est monté dans la voiture, on cherchait des emplacements pour poser notre téléphone. Ça manque un petit peu de place, d'espace. Et donc, ces sièges Ricaro, du coup, on peut les régler en profondeur. On peut également les régler, enfin régler du coup l'assise, plus ou moins inclinée vers le haut ou vers le bas, mais aussi le dossier qu'on peut du coup avancer si besoin ou reculer. Autre point positif au niveau du volant. Alors est-ce que c'est... Hop, il est réglable du coup en hauteur
mais aussi en profondeur. Donc je crois qu'il est au maximum, mais on peut l'avancer. Et ça permet du coup de trouver sa position de conduite parfaite. Parce que c'est un point très très positif, la position de conduite de cette MX-5, c'est qu'on est vraiment super bien installé, on a presque la sensation d'être dans une voiture de sport réellement. Donc c'est vrai qu'on a trouvé que la qualité des matériaux utilisés dans cette MX-5, enfin principalement les Mazda d'aujourd'hui, a été nettement améliorée par rapport à ce qu'on voyait dans quelques années en arrière. Les années 90 et début 2000, c'était pas trop ça. Hein. Par exemple les Mazda 3, que je connais très bien comme étant dans un groupe Mazdaïste de Mazda MPS, bah, jusqu'à même 2010, c'était plastique dur un peu partout, et force est de constater qu'aujourd'hui, bah, des progrès conséquents ont été faits, et toutes les Mazda que nous avons pu voir, y compris celle-ci en concession, bénéficient en fait de plastique qui ressemble à du simili-cuir. Là, il s'en est vraiment, là, c'est une sorte de simili-cuir, et les assemblages ne souffrent, je pense, d'aucun défaut, et les assemblages sont propres. On sent qu'il y a des progrès. On se rapproche du premium. On retrouve aussi des compteurs qui sont gradués et qui ne sont pas numériques. Bon, après, chacun est libre de partager son avis sur les e-cockpits, mais moi, je préfère avoir de réels compteurs avec de réelles aiguilles, et Mazda donc a décidé de garder justement ces compteurs gradué. Par contre, on retrouve quand même une partie numérique, donc le troisième compteur qui est sur la gauche et qui, du coup, fait office d'ordinateur de bord. Au niveau du moteur, donc on retrouve un 2 litres atmosphérique 184 chevaux, donc qui est disponible que depuis 2019, sachant qu'avant, en 2015, ils avaient sorti le 2 litres 160 chevaux. Pour rappel, à la sortie, le moteur qui était disponible, il y avait deux versions, il y avait un 1 litre 5, 131 chevaux, et le 2 litres 160. Le moteur 1 litre 5, 131 chevaux a eu une petite révision. Il fait désormais 132 chevaux depuis 2019. Et le plus intéressant, c'est le 2 litres 184 chevaux que nous avons aujourd'hui. Et donc on retrouve une boîte à air ici. On constate également qu'on a quand même pas mal de place si on veut travailler. Bon, on n'est pas là pour faire des modifications, mais c'est vrai que si on a des projets derrière, il y a quand même de la place. Il faut aussi rappeler qu'il y a eu l'espace nécessaire pour accueillir ce 2 litres. C'est quand même une cylindrée assez importante sur ce gabarit de voiture. On voit de plus en plus de downsizing. Et c'est vrai que là, Mazda, pour le coup, chapeau. Ils ont proposé un 2 litres atmosphérique en 2019 et donc en 2020 également, puisqu'elle est encore produite. Oui. On va peut-être commencer par le bruit échappement. Donc ligne d'origine, hein, on le rappelle, hein, forcément. Ok, donc moi ce que je constate, c'est qu'au niveau du bruit d'échappement, ça porte pas beaucoup. Mais je pense qu'on a un bruit moteur qui est plus présent. Matt, tu peux peut-être nous faire quelques petites montées en usine. Il y a un limiteur à 5500 tours minute. Limiteur à 5500 minutes qu'on vient de découvrir. Du coup, je pense qu'on a plus de bruit sur le compartiment moteur. C'est bien ce que je pensais. Donc effectivement, t'as pas de bruit à l'échappement, mais par contre, t'as tout le bruit qui est concentré au niveau du moteur. Chose qu'on peut corriger avec une petite ligne. Tout à fait. Bon, on verra par contre, quand on fera des montées en régime, en essayant la voiture, si on peut profiter au mieux de ce bruit moteur décapoté. Allez, on y va. Bon, je propose qu'on capote et qu'on décapote après, pour voir la différence. Donc on tire sur le levier, hop, on récupère le petit support là, qui nous permet de tenir, et on claque. Hop, ensuite, et c'est fini. Et ça a pris quoi? Moins de 10 secondes? À peine, ouais. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc c'est parti. Bon, bah, on va tester. Bon, c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de tester ce genre de voiture. Bah, des propulsions, tout simplement. Donc, je pense que ça doit procurer beaucoup de plaisir. Premier ressenti, c'est vrai qu'on a tout à portée de main. On n'a quasiment pas besoin de faire le moindre geste pour atteindre le levier de vitesse. Ou encore le frein à main, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Hop. Enfin, le débattement de la boîte de vitesse est vraiment très 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 court. Hein. Franchement, regardez, hop. En tout cas, ça a l'air au premier abord confortable pour cruiser, parce que c'est une voiture qui est aussi faite pour cruiser, hein, pour profiter vraiment du soleil, de toutes ces choses, de la nature. D'ailleurs, on est dans un super cadre. Hein. Ce qui est marrant là, c'est qu'on est en quatrième et elle me demande de passer à la 6. Oui, alors qu'on est en montée. En plus, première prise en main, j'ai fait quelques kilomètres. Avant ça, Mathieu l'avait essayé justement parce que c'est lui qui l'a amené au spot où on l'a présenté. D'ailleurs, quelles ont été tes premières impressions? Eh bien, mes premières impressions étaient extrêmement positives. Dès le moment où je me suis installé dans le cockpit, parce qu'on peut appeler ça un cockpit vu la proximité des commandes qui sont toutes autour de soi, j'ai été vraiment séduit par la réactivité du véhicule.
la réponse au niveau de ne serait-ce que l'accélérateur, du premier coup de frein qui était vraiment facile à doser, et puis la boîte de vitesse qui je trouve est un régal quoi. J'ai une Mazda qui a un débattement raccourci, pas d'origine mais qui est déjà raccourci, et là on a un levier qui est encore plus court, encore plus raccourci, ouais. Et qui est vraiment je sais pas ce qu'on peut faire de vraiment de plus pour une boîte mécanique. Je pense qu'on est proche de la perfection. C'est super. Sachez aussi qu'elle est disponible avec la boîte automatique. Donc, il la propose dans les deux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très appréciable aujourd'hui. On parle aussi d'insonorisation. C'est vrai que pour un cabriolet avec surtout une capote en toile, on n'a pas un toit en dur. Hein. Faut le rappeler, on n'est pas dans la RF, on est dans la ST. C'est très 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 bien insonorisé. Hein. Pour venir, en fait, on a dû circuler avec des vitesses de 80-90 km/h sur route pavée ainsi que petit rond-point circulation urbaine. Honnêtement, j'étais surpris de la facilité de conduire et du confort qui était procuré d'un point de vue acoustique, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, clairement. Bon, moi, j'aime bien conduire proche du volant et ne pas avoir les jambes étendues jusqu'aux pédales. Donc, c'est vrai que de toute façon, c'est la conduite, la position de conduite qu'il faut avoir sur circuit. Voilà. Moi, qu'on soit sur circuit ou sur route ouverte, je conduis de la même manière. Mais non, on s'est un petit peu concentré. C'est vrai qu'on a peu d'espace. Bon, je suppose qu'on a quand même la possibilité de bien reculer. Oui, pour les personnes qui sont grandes, oui, on a quand même de l'espace au niveau des jambes, au niveau de la hauteur. Pareil, hein, moi je fais 1m80, il y a encore pas mal de marge. Hein, matin, oui, largement. Donc c'est, sur ce point-là, ça va. Mais c'est vrai que on est dans un environnement, un cockpit assez avec un espace assez restreint. Mais c'est aussi ça qui fait, je trouve, le charme de la voiture. Et ça absorbe plutôt bien, malgré qu'on soit sur des suspensions Bilstein. Oui. Hein, les vibreurs sont parfaitement absorbés. On les absorbe vraiment très 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 bien. Avec tout à l'heure, on a fait une petite prise de son en extérieur. Le son est pas mauvais, c'est-à-dire qu'il y a un son légère, il y a un petit feulement métallique quand même qui vient de l'arrière. Le moteur est un peu plus audible que la ligne d'échappement. Et potentiellement, pour avoir vraiment un son qui serait vraiment idéal, évidemment une petite ligne avec un silencieux plus libre serait Bien sûr, d'autant plus qu'on est sur un moteur atmosphérique, ce qui fait qu'avec une ligne d'échappement, ça chanterait vraiment vraiment mieux. On va décapoter. Il suffit juste d'appuyer sur ce bouton, de tirer, hop. Et puis là, on attend et on appuie. Vous avez vu? J'ai même pas bougé de mon siège. C'est beau quand même. Et je me suis servi que d'une seule main. Bon, on entend tout de suite un petit peu plus le bruit moteur, donc point très positif, parce que quand on accélérera, du coup, on pourra mieux profiter de ce 2 litres atmosphérique. En passager, c'est sympa, et puis en conducteur, j'imagine, c'est la meilleure place, hein, clairement. Ouais. Et on a de la chance, aujourd'hui, il y a du soleil. Et ouais. Toute la semaine, il a plu, la semaine dernière aussi, et là, on va aller direction les petites routes du 77. Ouais. On va peut-être voir une petite accélération aussi, pour voir ce que ça donne, donc avec une reprise en deux, voir aussi si on a plus de bruit moteur, c'est parti. Ça marche bien quand même, hein, faut le dire. C'est rageur. Ouais, il y a un bel à-coup aussi. C'est sympa, c'est réactif quand même. Hein. Bon, on n'a pas la sensation de coup de pied au cul qu'on a par exemple dans les moteurs à turbo, mais je trouve que pour de l'atmosphérique, ça répond plutôt bien. Et on entend bien plus le son moteur. Donc, point positif pour l'instant. Après, voilà, c'est une voiture qui a besoin d'être vraiment dans les tours pour bien marcher. Et on sent que plus ça monte, plus c'est rageur, plus mieux ça avance aussi, forcément. Non, c'est agréable. Reprise en 3, on entend bien le bruit moteur, c'est sympa. Hein. Alors Matt, je sais pas ce que t'en penses, mais là, on roule un rythme un petit peu plus soutenu, on sent quand même bien les imperfections de la route. Hein. Oui, tu sens que ça, on sautille légèrement. C'est un petit peu dur, qu'on sautille légèrement. Donc ça, c'est dû au Bilstein. Oui. Très principalement, je pense que celles qui n'en sont pas équipées sont beaucoup plus souples. On a une conduite qui est différente, mais ça a l'air de bien tenir le pavé. Et ça, se régale. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis très content d'être passager et
les sensations procurées sur la deuxième, il y a quand même un coup de pied aux fesses. Mais non, j'étais en 3 là. Ah, t'étais en 3ème. J'étais en 3. Autant pour moi. Bah, j'ai fait un 4-3. En 3ème, ça m'a paru. Bah, il y a eu quand même. La réactivité est très bonne. Ouais, ouais, franchement. J'étais presque sûr que t'étais en 2 pour partir et en 2. Et non, je suis parti en arrière. Et non, je suis parti en 3. Donc imaginez en 2, ça devrait être encore mieux. Je suis collé en arrière et je m'y attendais pas. Non, c'est vraiment sympa. On va chercher si on a la possibilité de déconnecter l'ESP et je viens de trouver, c'est ici. Et voilà, et là on est sur off. Voilà, c'est vraiment l'environnement parfait pour cette voiture. Complètement. Clairement. Des petites routes de campagne avec personne, suffisamment large, ouais. Pas forcément un billard, mais donc je vais virages. Ouais, je vais vous dire du coup si en deux l'ESP déconnecté, si on a de la motricité ou pas, pied dedans. Ouais, ça a l'air de passer. Oh, la coup est bon, hein. Il est fort. Hein. Ouais, ça marche bien. Et le freinage, ça donne quoi? Le freinage, ça a l'air correct. Ouais, bon, il y a... Consistant, on va dire, ça va. Ouais, ça va, il y a pas mal de mordants, je trouve. Bon, bah, j'aurais pas réussi à titiller le derrière. Non, impossible. Peut-être qu'en sortie de virage, avec une bonne reprise en deux, ça serait plus joueur, mais en tout cas, sur une reprise en ligne droite, en deux, tout passe au sol sans la moindre difficulté. Argument que je n'avancerai pas sur du mouillé. Mais ouais, on a clairement une voiture qui est très 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 joueuse. Hein. Donc ça met quand même une bonne confiance entre les mains du conducteur. Ouais, ouais, ouais. Du coup, c'est une voiture du coup qui, je pense, peut se conduire par tout le monde. Malgré qu'on ait de la puissance et qu'on soit sur de la propulsion, c'est une voiture qui met quand même en confiance. Pour moi, il y a aussi le gabarit qui joue. Hein, forcément, on se sent plus à l'aise avec la voiture. Mais elle met parfaitement en confiance. Hein. Il y a une prise en main qui est, je trouve, très 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 facile et rapide surtout. Là je la conduis à peine depuis 20 minutes et j'ai l'impression de la connaître, hein. Je ferai pas pour autant l'imbécile, mais je me sens en confiance. Je voudrais aussi la comparer par rapport à la Clio. Donc moi j'ai une Clio 4RS depuis 5 ans, donc je la connais relativement bien, avec une utilisation assez poussée, circuit, toutes ces choses. Donc 200 chevaux d'origine aujourd'hui qui en fait 220. Je vais essayer de parler par rapport à la configuration origine, parce qu'on va pas tricher, celle-ci l'est. Bon, déjà on est sur deux voitures différentes du fait que la Clio soit une traction avec un turbo et celle-ci une propulsion avec un moteur atmosphérique, donc c'est pas les mêmes sensations. Je trouve que la Clio marche mieux, les reprises en fait sont plus franches, mais contrairement à la Clio, celle-ci une fois qu'elle est dans les tours, une fois qu'elle monte, qu'elle est lancée, la voiture elle ne fait que prendre on sent qu'elle prend de la puissance, c'est vraiment différent comme sensation, mais je trouve que ça marche bien. Après je pense pas que l'objectif de cette MX-5 ça soit d'être une sportive en soi. Pour moi ça reste quand même une voiture plaisir qui est pas fait je pense pour le circuit. Qu'est-ce que tu en penses, Matt? Pour aller sur le circuit il faudrait un truc qui soit un peu plus radical et comme le dit très justement l'automobile sportif qui l'a testé, cette version, il manque un petit turbo ou quelque chose qui lui donnerait un peu plus de caractère et des reprises supérieures. Donc de la puissance. Voilà. Bon, ça la rendrait potentiellement un peu plus dangereuse forcément puisqu'elle serait plus mobile de l'arrière. Mais bon, peut-être qu'un jour Mazda répondra à ça, même si la lignée des MPS a aujourd'hui disparu. Autre point positif, ça a l'air de pas trop consommer. Oui. Exemple. On nous a donné la voiture avec 130 km d'autonomie, étant donné qu'on avait un petit peu de route à faire pour aller jusqu'au spot, on s'est dit qu'on allait remettre un petit peu. Et ouais. Malgré les quelques accélérations et les kilomètres qu'on fait, ça bouge pas tant que ça. On a perdu 40 km d'autonomie alors qu'on a fait quelques petites accélérations. Et je suis quasiment sûr que ces 40 km, on les a réellement fait. Ah oui, certain. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'en accélérant... Et pour ça, ouais. Bah, on a l'impression. La consommation reste même raisonnable. Il faut aussi qu'on parle de prix. Donc ça vaut aux alentours de 30 000 euros. Oui, c'est ça. Donc ce qui est quand même relativement abordable par rapport à ce que propose la concurrence allemande, pour ne pas les citer,
on est sur des prix quand même différents. Je trouve que c'est une voiture plaisir qui est accessible presque pour tous à faible prix, enfin à prix correct. Et c'était de toute façon l'objectif de la création de la Mazda MX-5 dans les années 90. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Bah, l'objectif, c'était d'avoir une voiture qui reprenne l'esprit des roadsters anglaises qui ont vraiment eu beaucoup de succès. Donc, par exemple, tout l'esprit des MG notamment. Toutes ces MG là qu'il y avait, bon, c'était des roadsters, les Spirit, etc. C'était des véhicules extrêmement légers et où on était assis très bas et propulsion. Là, on a réuni tous ces ingrédients, mais à la sauce japonaise. Et aujourd'hui, bah, on pense que c'est vraiment un succès. Enfin, en tout cas, nous, moi, je suis convaincu. Ouais. Et toi aussi, visiblement. Oui, moi, ça me plaît beaucoup. On va clôturer cet essai. Très, très content que Mazda, aujourd'hui, nous donne la possibilité de revoir des moteurs atmosphériques sur des bonnes cylindrées, hein, comme on le disait en début de vidéo, c'est du 2 litres. Pareil, le fait qu'on ne retrouve pas un e-cockpit sur une voiture de 2019 partout, on garde nos compteurs gradués avec les vraies aiguilles, et ça, franchement, c'est super. Donc, merci Mazda. Le côté position de conduite que je trouve extraordinaire, avec tout à portée de main. Et franchement, si je devais trouver des défauts à cette voiture, bah, j'aurais du mal. Ouais. À part qu'elle soit pas plus grande, pas plus pratique. Ouais, mais c'est pas des défauts qu'on peut. Mais c'est pas vraiment des défauts parce que c'est quelque chose qu'on aime en fait sur cette voiture. Le fait que ça soit concentré, qu'on ait tout à portée de main, c'est un avantage pour moi. Tu vois, moi personnellement, ça me plaît beaucoup. Ouais. Donc vraiment trouver un défaut à cette voiture serait compliqué. J'en vois même pas en fait. Allez, le seul truc qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est les personnes qui aiment les conduites à moteur turbo. Donc j'en fais partie. J'aime aussi énormément l'atmosphérique. C'est le seul petit défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'ils n'aient pas proposé une version Atmo comme ils l'ont fait là et une version turbo. C'est le seul petit défaut que je pourrais leur trouver. Un petit peu plus de puissance peut-être aussi. J'aurais trouvé ça cool qu'on passe la barre des 200 chevaux ou qu'on l'atteigne tout simplement. Mais on va pas se plaindre, ça reste quand même largement correct, ça marche comme il faut. Mais sans ça, non, la voiture est superbe. J'en garde un super souvenir. Et ouais, je pourrais presque craquer pour une voiture comme ça. De toute façon, moi, je cherche à passer sur autre chose que de la traction. Donc là, elle répond à mon besoin. Et je cherchais du 6 cylindres. Donc ça, c'est un peu c'est un autre débat. C'est pas gagné. On est sur du 4 cylindres. Ouais. Mais non, avec une petite ligne et tout, franchement, why not? Why not? Mais très 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 bon essai, très satisfait. Donc une nouvelle fois, merci à la concession de Ménin pour leur confiance et de nous avoir donné l'opportunité d'essayer cette Mazda MX-5 ST. Et toi Matt, le petit mot de fin? Eh bien, je redoutais presque l'essai comme une sorte de révélation qui me pousserait presque à abandonner ma Mazda 3 MPS. Ah oui? Parce que la Mazda 3 MPS, en fait, c'est gros. Ça a des chevaux, mais ça reste une grosse familiale. C'est presque un éléphant à côté de ce genre de voiture, on est d'accord. Ça fait 1,5 tonnes à vide, et puis il y a un moteur de 2,3 litres qui est pas tôt. Donc, je pensais que ça me donnerait le coup de cœur, et effectivement, je l'ai. Après, de là à me dire, je l'achèterais, oui, je l'achèterais, mais si j'avais pas ma fille à trimballer. Voilà. Mais si c'était uniquement pour analyser les caractéristiques et le plaisir procuré, si ma fille était plus grande et qu'elle avait son permis, et que je voulais me prendre une voiture où j'étais avec madame, bah pourquoi pas, j'aurais peut-être dit tiens, la MPS, on va peut-être la bazarder et puis on va prendre un petit roadster et on va se faire plaisir quand on partira en week-end. Bah on va se faire plaisir. Ouais. Ouais. C'est... Non, bah, je pense qu'on a été comblés tous les deux, hein, et c'est presque, je veux dire, convaincant. Ouais. Voilà, pour les personnes qui cherchent à avoir une voiture avec une puissance correcte, avec une propulsion, en fait quelque chose qui sort du commun, un roadster en soi, franchement c'est la voiture à avoir. Je la recommande vivement, et l'essayer, c'est presque l'adopter, honnêtement. Franchement, très très satisfait. Bon, on se quitte sur ce beau paysage, cheveux au vent. Salut, il y a du vent.